Bonjour à tous, il est 8h10, c'est la matinale RCF. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philippe. Il avait 36 ans. À cette occasion, notre grand invité est un homme de lettres, un homme de radio et aussi un homme de cheval, mais ça c'est une autre histoire. Jérôme Garcin, bonjour. Bonjour. Alors, homme de lettres, vous l'êtes sans aucun doute, hein, auteur de nombreux récits et romans. Homme de radio aussi, puisque vous portez sur le service public une émission qui met sa plume, et peut-être aussi ses masques, au service de la littérature, du cinéma et du théâtre. Vous êtes avec nous ce matin pour célébrer celui qui incarna longtemps sur scène et à l'écran l'image du brio français, Gérard Philippe, à qui vous venez de consacrer un très beau livre, Le dernier hiver du Cid c'est chez Gallimard, la chronique de ses derniers jours, voire de ses dernières heures. Gérard Philippe, donc vous êtes presque un intime puisqu'il fut le père de celle qui deviendra votre épouse. Jérôme Garcin, peut-être je vais commencer par une question provocante, mais en 2019, qui connaît encore Gérard Philippe C'est une très bonne question, elle n'est pas provocante, elle est malheureusement un peu inquiétante. Alors il y a ce que j'appelle souvent l'amnésie de ce pays, qui a une faculté à oublier, euh, qui est assez, assez, assez triste. Assez récemment, j'ai fait l'éloge d'un homme que j'aimais beaucoup, qui était aveugle, qui s'appelait Jacques Lucéran, très, dans, très le, dans, dans Le Voyant. Et il faut imaginer que cet homme qui avait traversé l'horreur, les camps de la mort, euh, était totalement inconnu. Il a fallu mon livre pour qu'on réédite enfin les textes de Lucéran. Donc, il y a une faculté à l'amnésie de ce pays que, contre laquelle je me bats depuis mon premier livre, qui était consacré à un autre résistant, qui était Jean Prévost. Et dans le cas de Gérard Philippe, votre question est très juste. Moi, depuis la sortie de ce livre début octobre, évidemment, je rencontre beaucoup de gens, y compris des jeunes, et je peux vous dire que la tranche 20-25 ans ne sait plus qui est Gérard Philippe, et euh, pas davantage qu'elle euh, sait qui est euh, Simone Signoret ou James Dean. Donc, euh, en même temps, je ne peux pas leur en vouloir. Il y a la jeunesse, mais il y a aussi, de façon plus officielle, cet été, à Avignon, il n'y a rien eu. Alors, ça, c'est un autre scandale. Euh, pour moi, c'est un scandale, hein. ce n'est pas une, un, un impair, c'est un scandale. Euh, les 60 ans, vous le rappeliez jour pour jour, hein, on est le 25 novembre, euh, de la disparition de, de Gérard Philippe, qui a incarné ce festival d'Avignon. Il l'a porté, et il est encore le visage de ce festival. Euh, au dernier festival d'Avignon où j'étais, évidemment, rien, même pas un hommage euh, du soir, même pas quelques photos projetées sur un mur, rien. Euh, quant à aujourd'hui, 25 novembre, il faut savoir que dans les commémorations nationales que prépare, qu'annonce euh, à grands frais le ministère de la Culture, euh, il y a tout ce qu'on veut sur les anniversaires de certains potiers euh, régionaux, il n'y a rien sur Gérard Philippe. Avec votre livre, il s'agissait de lui rendre justice Il s'agissait de lui rendre justice, il s'agissait surtout de rappeler la modernité de ce, de ce jeune homme dont on ne peut plus voir ni les pièces et encore et très peu les films malheureusement. Et pour moi, c'est un jeune homme, pas simplement parce qu'il est mort à 36 ans, mais parce qu'il incarne des valeurs théâtrales, des valeurs morales, euh, qui n'ont plus cours et que moi, j'ai envie de remettre au goût du jour. Alors, on va, on va creuser hein, ces, ces, ces valeurs, mais d'abord, vous, vous avez déjà écrit sur votre père, sur votre frère, et sur les conditions de leur disparition. Aujourd'hui, c'est du père de votre épouse dont vous nous racontez la fin. Quelles sont les contraintes quand on écrit sur sa famille Est-ce qu'on reste vraiment libre dans ces conditions dans, dans tous les cas, sauf Gérard-Philippe, j'étais d'une liberté totale. Euh, vous savez, moi, mon principe, c'est d'essayer de raconter le le plus précisément possible des vies brèves, voire des vies très brèves. Euh, mon jumeau Olivier renversé sous mes yeux par une voiture euh, à moins de six ans, euh, lui consacrer un livre, c'est partir du principe qu'on peut faire revivre un enfant, mmh. un enfant qui a disparu. Mon père est, est mort d'une chute de cheval à 45 ans, euh, tout, évidemment tous ces drames m'ont porté à raconter des vies brèves. Dans le cas de Gérard Philippe, c'est un peu différent. Il faut savoir que c'est donc mon beau-père, euh, que euh, j'ai connu euh, Anne-Philippe, la, la veuve, la femme de Gérard, euh, avant de connaître ma, ma future femme, Anne-Marie-Philippe, sa fille, euh, et que dès le moment où j'ai abordé l'idée de raconter cette vie brève et très pleine, parce que ça aussi c'est un corollaire auquel je tiens beaucoup, plus les vies sont brèves, plus, plus elles, elles sont, sont pleines, danse. y compris quand c'est un enfant de 6 ans. Euh, et c'est vrai que j'abordais une terre qui est bordée de, de secrets. D'abord parce qu'Anne était très discrète. Elle m'a beaucoup raconté Gérard, euh, euh, Philippe et ses derniers instants. Euh, mais malgré tout, euh, je me sentais euh, redevable aussi d'une histoire... Qui n'était euh, pas que la vôtre qui n'est pas que la mienne et qui me dépasse, même si euh, nos enfants, nos trois enfants et Anne-Marie et moi sont les petits enfants de Gérard et d'Anne. Euh, mais j'avais envie aussi de de, de de le faire, comment dire, le plus précisément possible. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, avant de commencer à l'écrire, à Anne-Marie son autorisation. Je le dis très clairement. Euh, Votre femme vous a autorisé à écrire sur son dit, père. Elle m'a dit "Vas-y, hmm. fonce." Après la lecture du voyant, d'ailleurs, mm. elle, elle, elle m'a dit vas-y, et puis je l'ai écrit évidemment seul. Mais une fois que je l'ai terminé, je lui ai dit maintenant tu le lis, si tu n'es pas d'accord, il ne paraîtra pas. Donc c'est vous dire à quel point mm. je vais jusqu'au bout du respect de l'histoire de cette famille et de, et de Gérard. Jérôme Garcin, il faut peut-être ici rappeler quelle immense vedette il fut. C'est véritablement l'idole de la France de ces années-là. Euh, plus que de la France. Plus que de la France. Qu comment expliquer ce succès Ce n'est pas uniquement le talent non, il y a, y, a, y a, pour la France en tout cas, de l'après-guerre, euh, ce jeune homme d'une beauté euh, irradiante incarne euh, un idéal dont ce pays qui sort euh, brisé, abîmé, sali par l'occupation, euh, a besoin. C'est un, un jeune homme dont on a besoin. C'est l'ange de Sodome et euh, Gomorre. Hein, C'est quelqu'un qui qui incarne une pureté qui va essayer, euh, enfin, en tout cas dans le visage de laquelle, de, duquel la France veut se reconnaître dans ces années euh, 50. Et puis ensuite, il y a le cinéma. Le cinéma a fait de lui une vedette romantique euh, presque universelle, dont le succès va de, de, de Tokyo à, à, aux États-Unis. Euh, et puis il y a ce choix du théâtre, qui est un choix fondamental, qui est le choix du TNP, Théâtre National Populaire, on a oublié, de Jean Villard, qui va en faire une figure morale, c'est-à-dire quelqu'un dont le seul principe, c'est d'amener, avec Jean Villard bien sûr, le patron, d'amener le plus grand nombre, et y compris ceux, et d'abord ceux qui n'ont pas accès à la culture, les amener au plus grand texte du répertoire. Alors Jérôme Garcin, vous avez évoqué sa gueule d'ange, on va écouter sa voix. Merci, jusqu'au fond du cœur. D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, Misérable vengeur d'une juste querelle, Et malheureux objet d'une injuste rigueur, Je demeure immobile, Et mon âme abattue Cède au coup qui me tue, Si près de voir mon feu récompensé, Ô oh Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé et l'offenseur, le père de Chimène. Alors, Gérard Philippe, le Cid, hein, c'est une voix, une présence c est, c est, Écoutez cette voix, 60 ans après, ce qui est très frappant pour moi et je pense pour vos auditeurs, c'est à quel point, euh, fût-ce pour un texte tragique et très classique qu'est le Cid, il la modernise, il l'humanise. je dirais même que on a l'impression d'un tout jeune homme qui donne, à mon avis, un tremblement à ce texte austère, un peu drapé, un peu ostentatoire, lui donne une humanité absolument incroyable. quel acteur il était. alors, c'était au, au cinéma, vraiment le, le jeune romantique euh, idéal, euh, modèle. Euh, euh, et je pense que là, ma belle-mère, Anne, a joué un rôle fondamental parce qu'elle l'a poussé vers un cinéma plus exigeant et vers un théâtre encore plus exigeant. Je pense qu'il aurait pu céder à la facilité du star system de l'époque, c'est-à-dire d'aller au théâtre vers des comédies bon enfant euh, et au cinéma euh, vers des films plus faciles. Et c'est vrai qu'il euh, est devenu euh, un grand acteur de tragédie, ce qui était inimaginable, avec son physique, avec sa voix d'ailleurs, euh, euh, avec sa, son insolence. Et je pense que c'est en ce sens qu'il est devenu moderne, hein, 60 ans euh, avant. Du talent, mais aussi beaucoup de travail mais Un travail qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Est-ce que, est que, est que vous pouvez penser que pendant un seul week-end, prenons que le théâtre, un Seul week-end où il jouait à Suresnes, évidemment, devant un public essentiellement d'ouvriers et de gens, encore une fois, qui n'étaient pas élevés dans cette culture du théâtre, qu'il jouait des rôles titres, Lorenzo, Hombourg, Rodrigue, parfois deux le même week-end. Et vous imaginez ce qu'était le texte à apprendre. Et qu'une fois qu'il avait fini, eh bien, il participait euh, aux soirées, parfois dansantes, avec le public, ce que Villard leur demandait à tous ces comédiens. Et enfin, euh, une fois, à, à, après avoir joué ces deux rôles-titres, il rentrait à la maison où une pièce était dévolue au syndicat des acteurs qu'il avait créé et présidé, où il travaillait, il a obtenu d'ailleurs, au statut d'intermittent du spectacle. Euh, euh, et le lundi matin, il repartait pour aller tourner un film et le soir pour jouer au théâtre, à Chaillot ou ailleurs. C'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui, inimaginable pour un, même pour un, un grand jeune premier. Jérôme Garcin, il y a ce rapport au texte, à la littérature qui, qui, qui est très fort. Hein. Vous le décrivez dans votre livre, en, souvent en train d'annoter des tragédies grecques. Vous avez fréquenté sa bibliothèque. Vous êtes plongé dans, dans ses livres de chevet. J'ai vécu dans ces lieux que je, je, je décris puisque euh, de juillet 59, mon, mon, mon livre couvre les trois derniers mois. C'est l'été 59 jusqu'au 25 novembre 59. C'est la fin de ce jeune homme, euh, d'abord à la Roulière, où évidemment j'ai beaucoup vécu avec nos enfants, avec Anne, euh, cette clinique violet où il a été opéré par mon oncle, le, le, le chirurgien, euh, je ne l'ai appris que, que tardivement, et puis ensuite au 17 rue de Tournon. Entre temps, il y a Sergi qui a disparu depuis, mais 17 rue Tournon, euh, qui est l'appartement où les mans Et où moi, j'ai passé toute ma, ma, jeune, euh, ma jeunesse, puisque j'ai commencé à rencontrer Anne, j'avais 18-19 10, 10, ans. Alors il y a une part d'ombre chez Gérard Philippe, c'est son père qui, qui fut un collaborateur condamné et qui s'exila en Espagne. Et ce qui explique aussi, je pense... La raison pour laquelle euh, dans la résistance. le tout jeune Gérard-Philippe se trouve sur le toit de Paris au moment de la libération, fusil à la main avec les FFI et qu'il combat euh, les, les Allemands, son père s'était compromis pendant l'occupation, euh, à tel point qu'il a été condamné à mort par contumace et qu'il qu est parti et pour Barcelone où il a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Alors, un rapport compliqué avec son père, même s'il lui resta fidèle jusqu'à la fin, euh, mais des pères spirituels au théâtre, au cinéma et peut-être avant tout Jean Villard Jean Villard, c'est son, son père spirituel. C'est celui qui l'a bousculé, qui jusqu'à la fin d'ailleurs, je le raconte dans mon livre, pensait quand on a cru, que, quand il a cru... Euh, qu'il allait pouvoir survivre à cette opération, à ce cancer, du, à ce cancer primaire du foie. Euh, Jean Villard, qui encore lui disait ⁇ Maintenant, il est temps que tu sois Don Juan euh, ou Hamlet euh, ⁇ ça a été celui qui lui a donné une armature, une ossature morale, et en même temps, qui l'a poussé vers ses, ses très grands rôles qui définissent, à mon avis, le mythe Gérard-Philippe. Alors Gérard-Philippe, compagnon de route du Parti communiste, cheville ouvrière du, du TNP, vous nous l'avez dit, fondateur du, du syndicat des artistes, c'est un acteur engagé C'est un acteur ultra engagé, ce, ce rôle de, 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 de syndiqué en est la preuve, mais c'est surtout l'appel de Stockholm, c'est le combat pour la paix. Contre la guerre et contre la bombe atomique, euh, ça a été, euh, et évidemment, ça en a fait, il faut pas se le cacher aujourd'hui, avec le recul, une idole en particulier dans toute l'Europe de l'Est à l'époque de la guerre froide. Il était l'incarnation de la jeunesse, avec euh, Montand et d'autres, hein, euh, de la jeunesse euh, euh, théâtrale de gauche que ces, ces pays-là, évidemment, euh, réclamaient euh, à corps et à cri. Alors avec sa mort, c'est un peu une époque du théâtre et du cinéma qui disparaît Ah bah Je pense que c'est une époque, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est un mot qu'utilise qu volontiers mon ami Régis Debray quand il parle de, à propos de Gérard-Philippe de physique morale. Oui, ce physique moral a disparu. Euh, des comédiens qui osent être au cinéma et dans la cour d'honneur avec le même engagement. Euh, artistique, il n'y en a plus, Ça plus de ceux qui, en même temps, sont des idoles. C'était une rockstar à l'époque, hein, qui traverse le monde et qui, en même temps, n'ont que le souci c'est le, le, le d'être bienveillant pour les autres. Le TNP, pour que vos éditeurs le comprennent, les TNP de, 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 de l'époque où il jouait, euh, c'était Gérard Philippe, qui était la vedette nationale et internationale qui était dans le même corps de caractère sur les affiches que les autres et tenez-vous bien le même cachet, le même cachet. Euh, euh, Est-ce que vous imaginez ça aujourd'hui On est dans la surenchère de la vedette, du vedettariat et où les grandes icônes du cinéma ou du théâtre, il y en a encore, je ne suis pas totalement sûr serait incapable d'avoir d'abord le souci des autres avant d'avoir le souci d'eux-mêmes. Jérôme Garcin, on va l'enterrer dans son costume du CID. Alors pourquoi Rodrigue Pourquoi ce rôle et pas un autre pour sonner la fin de la partie euh, C'était un, un choix d'Anne, Philippe, de sa, de sa femme, sans doute parce qu'il a... Incarné pour l'éternité, même si malheureusement on n'a pas de traces audiovisuelles, parce qu'il n'y avait pas de captation de ce site. De c'est un, sou euh, un, un souhait un choix de, de Jean Villard. De, un choix, une décision de Jean Villard. Euh, parce que c'est peut-être le rôle qui incarne ce qu'il a été, c'est-à-dire à la fois euh, euh, jeune homme, valeureux, audacieux, capable d'une émotion bouleversante, euh, presque parfois euh, enfantine, et en même temps d'un héroïsme euh, qui. Font, à mon avis, plus que Fanfan de la Tulipe, l'éternité de Gérard Philippe. Jean-Garcin, merci d'avoir été notre grand invité merci en ce jour anniversaire. Votre livre s'appelle Le dernier hiver du CID. C'est publié chez Gallimard. Merci. Merci.